télévision, l'animateur, tout ce qui est électronique en fait. D'accord. C'est réparer plutôt que jeter, et c'est bon, c'est pas plus d'alcool, mais quelque chose de plus. Juste ça, Et du coup, c'est pour ça que ma déclinaison et mes deux produits phares, qui sont la gaufre et la tarte, un jour de déclinaison, c'est un cocktail d'inattention. Ah, voilà, pour le moment, je le cherche encore. Un très grand plaisir que nous nous tenons devant vous après ces 4 mois de formation à la création d'entreprise. Et ces derniers mois ont été vraiment riches en apprentissage, en échanges multiples et variés, et qui nous ont permis de développer beaucoup de connaissances et de compétences pour relancer nos projets. C'est avant tout une aventure humaine où les talents et les savoirs se conjuguent au service de la création d'entreprises. Nous étions 7 cette année dans ce programme. Venus d'horizons très différents, nous avons partagé nos forces, nos faiblesses, nos doutes, mais aussi nos convictions pour construire nos projets respectifs. Et nous sommes très fiers d'avoir fait ce parcours ensemble et individuellement. L'émulation de groupe était positive, constructive, et c'est avec déférence, bienveillance et empathie que nous nous sommes soutenus les uns les autres dans le but, justement, de donner le meilleur de nous-mêmes. La culture humaine n'aurait sans doute pas existé sans ceux qui ont été les initiateurs et les porteurs de la chaîne, bien sûr, représentés par Vincent Pétillon et Élise Dégéter. Et grâce à votre engagement, nous avons pu assister à un programme de qualité et être accompagnés dans nos premiers pas vers l'entrepreneuriat. Nous souhaitons également remercier Jacqueline Victor, qui, par son implication et son expertise tout au long de la formation, a pu, à travers ses conseils avisés, sa connaissance approfondie du monde de l'entreprise, nous permettre d'avancer dans nos différents projets. Et donc, c'est vraiment été un atout précieux pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, elle est remerciée chaleureusement d'avoir cru en nous, de nous avoir accompagnés, d'avoir été présent tout au long de ce parcours pour nous guider, pour nous encourager tout au long de ce programme. Nous leur témoignons ce soir toute notre reconnaissance. Nous n'oublions pas, bien sûr, les représentants du département des Hautes-Pyrénées et tous les intervenants qui nous ont partagé leur expertise et leurs conseils. Donc aujourd'hui, nous avons franchi une étape importante. En fait, nous avons acquis les bases nécessaires pour créer notre entreprise, notre propre entreprise. Mais nous n'oublions pas que le chemin de l'entrepreneuriat est un chemin qui n'est pas un long fleuve tranquille. Et nous aurons encore des moments de doute, de difficultés à surmonter et sans doute des sacrifices à faire. Mais nous sommes vraiment convaincus que nous avons toutes les qualités nécessaires pour réussir. Nous sommes fermement déterminés et nos idées que vous avez pu voir sont vraiment prometteuses. Donc nous ferons de nos rêves une réalité et nous continuerons à croire que tout est possible et surmontable. Le groupe était là pour l'emporter. Nous avons appris à faire de nos faiblesses nos forces, à puiser dans nos ressources pour aller toujours un peu plus loin et affirmer qui nous sommes, nos croyances et nos espoirs. En guise de conclusion, nous serons passionnés et enthousiastes, car c'est notre passion qui nous anime et qui nous donne l'envie de nous lever chaque matin pour donner le meilleur de nous-mêmes. Nous serons réalistes et pragmatiques parce qu'il est indispensable en fait de s'entourer de professionnels et de gens de confiance. Nous serons
flexible et agile, car le monde des affaires est en perpétuelle évolution. Et le plus grand échec serait de ne pas avoir le courage d'oser. La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. Alors, osons. Donc, nous nous souhaitons beaucoup de succès dans nos projets d'entreprise. Nous n'oublions pas que nous ne sommes pas seuls et que nous savons pouvoir compter sur vous tous pour nous aider à réussir nos entreprises et contribuer au développement de notre région.